Dimanche matin à Paris, dans le 13e arrondissement, la police a découvert dans le véhicule et au domicile d'un individu blessé par balle un arsenal composé notamment de plusieurs armes de guerre, d'armes de poing, de munitions, de gilets pare-balles et de matériel informatique et de téléphonie. Une documentation fournie a également été découverte, établissant sans ambiguïté que l'individu projetait la commission imminente d'un attentat, vraisemblablement contre une ou deux églises. À droite, mettez-vous par là, il n'y a plus de place. L'individu avait été signalé au service de police comme ayant des velléités de départ en Syrie. Des vérifications sur l'environnement de cet étudiant en informatique de 24 ans avaient été effectuées à deux reprises, en 2014 et 2015, sans révéler d'éléments susceptibles de justifier l'ouverture d'une enquête judiciaire. Vous êtes face au public ? Depuis dimanche, les investigations ont permis d'établir sa présence à Villejuif, Val-de-Marne, puis son implication dans le meurtre d'une jeune femme, Aurélie Châtelain, retrouvée dimanche matin dans sa voiture, stationnée sur la voie publique.